Salut ma famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo en compagnie de Omar. Yo. Il y a Myriam aussi. Il y a Myriam aussi. Donc aujourd'hui, vidéo assez particulière. On fait quoi alors? Younes est en train de filmer, il est un peu gêné. Là, on est dans une aire de repos et là, on est en direction de la Belgique. Pour une grosse surprise pour Younes. Une grosse surprise pour moi. Ouais, grosse surprise. Regardez la famille, on est bien dans une aire de repos. Ah les gars, vous voulez manger quelque chose? Alors, il existe deux types de pays, je vous explique. Un pays où le paquet de gâteaux, il a un prix d'un grec. 5 euros. 5 euros le paquet de gâteaux. Ça, 3,50 euros. Waouh, c'est incroyable les prix, frère. Une petite bouteille de pommes, 2,80 euros, je sais pas. C'est des investissements. C'est pays roi. Waouh. Malheur. Qu'est-ce que c'est? Combien? 4 euros 30. Younes, on y va, ça y est, frère. Faut y aller. Attends Yacine, il y a des trucs. Il faut y aller. On est en retard là. Nous sommes en retard, faut y aller. Allez, on y va. Une pâtisserie. Non, on y va. Demain. Allez, go. C'est quoi ce pays Yacine? On est arrivé en Belgique. Hein. C'est grave bizarre. Du coup, est-ce que t'es prêt? Mais prêt pourquoi? Tu vas comprendre, tu vas voir. C'est mal les bus. Ils sont jaunes. On dirait que c'est un autre pays. C'est un autre pays. Ah ouais, c'est vrai. Trop cool. Ça y est, on arrive en Belgique, là c'est bien. Mais c'est Ismaël, regardez Yacine. Pourquoi tu mets des gros sacs comme ça, tu vas jouer à Pokémon Go? Bon bah la fête de la bière. Comment ça la fête de la bière? Ouais, c'est la fête de la bière aujourd'hui. Ah bon? C'est pour ça tout le monde va là-bas. Vas-y, va. Donc, vous m'avez fait venir en Belgique pour la fête de la bière. Bah oui. Bon oh, les gars, on arrive. Wesh, il y a trop de monde Yacine, c'est comment là? Il y a un imprévu, il y a Black and White, le restaurant Ibra TV. Il y a Ibra TV? Wesh. Oui, Ibra TV, t'étais pas invité, hein. Je sais pas ce que tu fais. Ibra TV, qu'est-ce qu'il fait là? C'est pas pour toi la femme Ibra TV. Wesh. Non, il y a vraiment Ibra TV, les gars. Il est là-bas là. C'est un truc de ouf. Il y a grave du monde. Ah, en mode, il y a son restaurant. Oh, on est... Il est là-bas, regardez. J'ai même pas vu qu'il Black était là, ouais. Burger. Hein? Black and White Burger. Ouais, c'est la deuxième fois qu'on a croisé un frérot, tu t'appelles comment? Dario. Dario. Il y a Ibra TV, vous ne prévenez personne. La famille là. On a deux. Ouais. Les gars, Ibra TV ou pas, on s'en bat les steaks, on veut juste manger. Frère, et là, on peut pas. Moi, je voulais aller dans son restaurant. Mais son restaurant, il est pas ouvert. Mais là, ici, il est ouvert. Ah bon? Ouais, mais c'est juste la galère pour faire la queue? Mais non, on peut pas. Ah ouais! Ceux qui font ça, pour faire la queue! Ici, hein. Non, la flemme, Omar, la flemme. Viens, la flemme, je vais pas faire toute cette queue. On va pas faire toute cette queue, viens, on avance. Ah, on s'est fait perquise. Vas-y, bien sûr. On va faire des photos de chez Omar. On a rencontré Mohamed. Là-bas, il y avait trop de monde, on peut pas manger au restaurant Djibra. C'est-à-dire qu'il nous a conseillé un snack. C'est un snack de quoi? Tacos, tout ce que tu veux, c'est un snack. Merci Mohamed. C'est son petit frère. Ouais. Check aussi. Vous avez mangé? Ouais, ici. Vous avez mangé aujourd'hui? Non, pas aujourd'hui, ici, mais l'autre fois, on est venu. Mais là, t'as mangé à midi? Ouais. Ah, si tu veux, je t'invite, tu manges avec nous. Non, c'est bon. Calé. T'as fait une dédicace à Jumar aussi. Vas-y. Mon petit frère, il regarde vos vidéos à chaque fois. T'avais plaisir. Merci Mohamed. La prochaine, Charlotte. On a trouvé un abonné qui nous a ramené dans un magnifique restaurant, ce qui paraît. Donc, toi, venez, je t'ai ramené ici. Tu vas pouvoir goûter et tu vas me dire ce que t'en penses, ok? Vas-y, à toi. Il y a des tacos, il y a des mitraillettes aussi, ça on connaît pas en France les mitraillettes. Mais en Belgique, ça ce qui paraît, c'est incroyable. Moi je goûte pas. On va tester ça, tu peux goûter. Une mitraillette, et dis-moi il y a quoi? Moi on prend un tacos, Il y a une pizza, comment ça s'appelle la pizza? Je sais pas quoi là. Je crois que ça s'appelle, ah, pizzos. Pizzos. Eh les gars, je sais pas vous m'avez ramené quoi, mais le monsieur là, il nous a offert quoi? Il a même mis sa sauce andalouse. Les gars. Il y a Allah quand lui paradis, dites Amin. Déjà, dédicace à Mums, à chaque fois il se moquait d'un mec qui jouait à Fortnite parce qu'il préparait une mitraillette. Ouais, il se moquait d'eux. Moi j'ai pris une pizza. Pizza en mode sandwich, viande tacos. On va laisser Nassim commencer. Sachant qu'on sait, que la Belgique c'est réputé pour les frites. Ouais, les frites belges c'est un truc de ouf. Moi je vais goûter sa petite assiette qu'on appelle. Wow. Dans ça, il y a quoi dans ça? Il y a des tenders. Il y a un mix, il y a tenders. Ah, il a mis. En fait, il y avait une catégorie, t'as trois poulets, t'as des tenders, des wings, un autre truc. Il a mis une boîte de rampe. Il habite plus, c'est un mec d'ici.
Mais c'est vraiment en France, il n'y a pas ça. Ça existe pas. Attends, c'est quoi ça, Younes? C'est une pizza tacos mélangée. Tacos mélangée, waouh, c'est quoi ça, hein? C'est de la piobachée. C'est un mitraillette. À ce qui paraît, c'est incroyable. Tu sais, c'est qui, Nassim Kerek, qui fait ça? Hein? C'est grave chaud, vraiment. C'est chaud? Tu sais qui aurait kiffé ça, Younes? Qui? Sofiane. Wow, j'avais vu une vidéo avec Nassim, ils avaient dégusté, Sofiane il avait pris ça. Pour l'instant, on a dégusté ça. Ah, c'est chaud. Bon. C'est bon, c'est incroyable. On m'arrive à goûter. Les gars, je vais goûter tout d'abord. Oh, comment il est gros. Il trempe dans la sauce. Il est tout grand, quoi. Ça veut dire si c'est pareil qu'en France ou pas? Ah, sauce cheddar. Waouh! Il est très très fort. Il est trop fort, il est bon. Younes, il va goûter sa pizza. Sa pizza. Lui, ça a l'air vraiment bon. Comment c'est doux? Waouh! Viens voir à l'intérieur comment c'est. Il met une sorte de crème fraîche. Franchement, c'est un des meilleurs que j'ai mangé de ma vie. Wesh! Tu veux goûter? Allez. Tu vas péter un câble. Non, t'as cru que tu ne manges pas déjà. Ouais, vraiment. Ah, c'est bon. Carrément, Omar. C'est pas un truc de ouf. C'est incroyable. Incroyable. En vrai, tu vas mourir. J'ai eu peur de manger, j'ai eu peur de crever de faim, j'ai ramené ma salade. Mais il nous a mis trop bien. Mais c'est incroyable. Je suis obligé de regoûter. Vas-y, regoûte. Omar, dis-lui pourquoi on l'a ramené ici. On voit après. Parce que c'est trop bon. Mais non, mais dans Belgique. Ouais, tapez-le à deux, tapez-le à deux. Tapez-le à deux, celui-là, moi je vous le laisse. Arrête de mettre la salade. Mais pourquoi je suis venu là en fait? Omar, dis-lui, Omar. Parce qu'on va trouver une femme. En Belgique. Ah, tu vas prendre une belge. Et pourquoi pas en France? Parce qu'en Belgique, c'est... elles sont plus belles. C'est pas musulman. Moi, je voulais savoir juste avant c'est quoi tes critères. Les critères pour eux, déjà, il faut qu'elle parle bien. T'as vu pas les... Moi, j'aime pas les. Il faut qu'elle ait des beaux pieds. Ouais, c'est des beaux pieds. Les petits disent ça. Pas des pieds comme ça. J'aime pas les femmes qui disent ouais, bro, ça, je veux pas les gars, s'il vous plaît. Faut qu'elles soient dans la religion et qu'elles soient belles. Et que c'est faire à manger. Moi, mon type de femme, c'est européen. Non, Omar, non, pas forcément. Mais là, on sait tous faire à manger maintenant. Européen. C'était bon ou pas? C'était archi bon. C'était quoi le meilleur truc? En fait, le monsieur, il nous a mis trop de trucs supplémentaires, on n'en peut plus. Moi, c'est la pizza, là. La pizza, c'était le meilleur truc? Là, on est avec des frérots. Ça va ou quoi, les gars? Ça va. Ça va, vous appelez comment? Ici, Katéno. Ok, ça fait plaisir. Bah, là, on est avec des abonnés. Vous voulez faire une photo? Ouais. Vas-y, go, 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 les gars. Après, j'ai une question pour vous, les gars. Vraie question. Je vous dirai après. Hein? On est abonnés. Ok, ça fait plaisir. Je vous dirai après. Prenez vos photos et je vous dirai après. Ok. Si vous avez faim, il y a un sac. On est dans une vidéo? Ouais. Pas un foot ici, non? Si, ici, après le mieux. Peut-être. Hein? Et un petit mec. Un kilo et tout. Vous avez faim? Yellow. Non, c'est pas mal. Vous connaissez Mooms? Mooms? Ouais. Avant, ouais. Bon, on a une question à vous poser. Ouais. Ah ouais. Un endroit. Vraie question. Pour qu'on puisse trouver une femme à Younes. Ouais. On est venu ici pour trouver une femme. Ouais, je vais y aller. Pour une femme. Une femme. Je m'en. Ben ouais. Ben non. Là, c'est un quartier de pédale là-bas. Vous voulez les chats, moi, je vais traîner, Grand Prix. Non, vraiment. Vas-y. Au Grand Prix, ouais. Grand Prix. À mon mariage, je vous inviterai. Ça va, merci. On dit à personne que vous êtes là. Comment? C'est mieux qu'on dit à personne que vous êtes là. Ah non, mais je dis à personne. Tout le monde dit. Après, vas-y, mon gars. T'as mangé? Il nous reste un graille. T'es sûr? Je vais aller aux toilettes. J'ai rien à manger. J'ai trop mangé. Pas de problème. Les amis. Je jure par Dieu qu'on a super bien mangé et que c'est l'un des meilleurs que j'ai mangé ici. Le restaurant il s'appelle comme ça. C'est ici là. Yes tacos, yes Naki. Ça mousse. Regardez l'adresse, elle est là, rue de la Clef 33, 7000 mousse. Le monsieur il est super gentil. Il est super, super gentil, c'est super bon. Non, allez, go trouver une femme. On va trouver sa femme. Gars, ils se sont arrêtés dans une boutique incroyable. C'est super chic. Ça c'est. Les abonnés ils ont dit je ressemblais à ça. Broly. Je peux te dire, tout à l'heure. Moi je ressemble à lui. Ils ont dit le mec en or il est. Non, je rigole. Non, là je ressemble à Trunks. Trunks, vraiment Trunks. Trunks sympa. Moi, on m'a dit j'étais lui. Non, c'est faux. Mais vraiment pas. Toi, je te dis, t'es qui?
Ouais, t'es même pas là, c'est Boubou toi. Moi j'ai qui Yonis. Regardez, il est encore en train de manger. Là, Yassine, on fait comment? Regarde, il y a la PlayStation 3. Ouais, mais laisse tomber, tu peux pas jouer, les serveurs ils sont bloqués. Ah ouais, ça sert à rien de l'acheter? Ouais, ça sert à rien. Non. Ça sert à rien. Pas les serveurs de MW2, il y a que BO2 qui sont fermés. Ils sont bloqués, je sais très bien, Omar. BO1 ils sont pas fermés. Attends, regardez, il y a tout. Hein. Manette, casque, elle coûte que 80 balles. Là, vu qu'ils sont venus prouver une femme, faut changer d'avis, frère. Donc, vous allez vous débrouiller, vous allez, moi je vais prendre ça. Pourquoi lui, tu le prends en S et lui en M? Parce que celui-là il taille petit et celui-là il taille grand. Bah, Tim, on a juste à faire ça. Okay. Fax, it's good. Allez, vas-y, go, go, go. On va y aller. Ça s'avance, ça s'avance. On y va. Nous, on y va, Younes. Vous allez payer. On t'attend devant, on t'attend devant. T'attends devant. Ça avance, ça avance. Bon, les gars, il arrive. Faut se cacher. Il arrive. Faut se cacher. On se cache? Ouais. Vas-y, cache-toi. Mets-toi, genre là, ouais, là, t'es bien là. Il est là, il a tout payé de lui-même. Ils sont cachés là-bas. Merci. De toute façon, moi, écoutez, j'ai une famille, des gros crevards, c'est des gros radins. Ils pensent qu'à se remplir les poches. T'as payé, mais je te dis que j'allais te payer. Pourquoi tu mens? T'es parti. Vous êtes des radins, vous gardez votre argent que pour vous, mais votre argent va pas vous servir dans votre tombe. Par hasard, les gars, Adam. Adam tombe sur quoi? Là, je te dis, je m'en fous des femmes là. Mais j'ai trouvé ta femme. Non, mais là, je m'en fous, regarde ce qu'il y a. Quoi? Elle est là. Ouais, c'est ce que je me suis dit. Regardez-moi. Mais ça se voit, c'est pas des donuts maison, c'est congelé. Ça, c'est des donuts de Auchan. Je les connais. Ouais. C'est-à-dire, on prend pas. Moi-même, je les connais. Il a grave paniqué, j'ai vu. Il a vu le chien? Ouais. Non, mais là, ça, Yassine, vous abusez, vous m'emmenez à la foire à la saucisse. C'est pas ici les gars, c'est la fête de la bière ici. Ah, ici vous me respectez pas? Vous voulez prouver une femme ici, vous me respectez pas? C'est la fête de la bière, je crois. On a fait le ramadan et tout, on me ramène à la fête de la saucisse et de la bière. On va trouver une femme, ça va être marrant, vas-y. À la fête de la bière. Ah bien. Ah, vous me respectez pas. Ah, il va, va. Si, bonnes occasions. Bonne occasion. Mais j'ai 30, j'ai 28 ans, avec les bonnes occasions. Bien Yassine, bien. Non, on va y aller. Et moi, respecte-moi, j'ai 28 ans. Ça va? Tu fais des photos avec des mignons. Finalement, on est venu pour toi. Tu fais des photos avec des gamines. Ah, bien! Non, bien! La fête de la bière. Bien, machin. La fête de la bière. Gros verre de bière. On est dans un endroit, laisse tomber. Ah, c'est le vin, ça. Omar, arrête. T'as les licornes là-bas, tu choisis. Comment ça je choisis? Ou t'as réservé, tu vas faire un concert. Vas-y, on va voir. T'es là, là, là. Vous me respectez pas là. Elle est pas mal celle avec les cheveux rouges là-bas. Ah, vous me respectez pas là. Va, prends ta chance. Hein. Ah, bien. Madame la licorne, il est parti. Ça, vous avez fait exprès qu'il y a Ibra TV en même temps que nous? Non. Ibra TV, il est venu chez... Là, il y a Ibra TV, on n'a même pas fait exprès, genre. C'est parti. Ah ouais, Edouard il se défend bien, hein. Faites du bruit pour Edouard, hein. Oh, encouragez-le. C'est pas rentré. Ouais. Allez Edouard. Ceux qui veulent commander à manger, vous pouvez rentrer à l'intérieur. Il est en tes côtés toi. Hein. Ça y est, on l'a trouvé pour Yacine. Aïe. Ginelli, comment tonton? Pareil. C'est vrai que tu restes dans la vidéo. Je vais attraper des bras grâce à vous. Non. La tête de ma mère, de votre chaîne. Incroyable. Fais voir un peu les bras là. Fais voir les bras.
Ah ouais, ça commence. Ça commence. Faut pas lâcher le local. C'est bien, mon gars. Avec plaisir. Là-bas, j'ai à sa machine à coup de poing 940. 940 940. Ah ouais. Ah, tu mets une pêche d'or là. Même Ibra, il m'a dit t'as des bras, d'accord, mais pour frapper, il faut de l'élan. Ouais, c'est vrai. J'ai fait quoi? J'ai fait comme ça. C'est bien, c'est bien. Et tu gagnes quoi là-bas en gros? C'est pourquoi que tu fais ça? Mais en fait, si tu bats le score de l'autre, ouais. Ah ben il te donne des menus. Ah, c'est pas mal ça. T'as eu ton menu alors? J'ai eu trois menus. Et c'est bon, c'est bon en vrai? C'est bon là. Moi j'ai jamais goûté, mais c'est bon. C'est bon. On goûtera une prochaine fois. Bah merci mon pote. Puis ils m'ont dit on vient en Belgique tout ça. Je voyais Ibra, même pas fait ça. Non, là. Ils sont là les frérots de Mons, ils sont là. Tu t'appelles comment toi? Esmond. T'as testé le Black and White. C'est bon ou pas? 10/10. 10/10. Ouais. Ah, c'est carré. On habite à Paris. Vas-y les frérots, on va y aller. Ouais, dédicace à toute la famille. T'as pas de famille, t'es bien, tu voulais passer, tu t'appelles comment? Ezekiel. Ezekiel, t'as dédicace à faire? Ouais, dédicace à ma soeur, Chanès. Ah là, c'est passé. Oh non, ça a brûlé les gars. Chacun ses techniques, il y en a qui les 4 points. Là, c'est trop, là, c'est trop. On est venu, on est parti à la piscine, on est parti en Belgique. On avance palier par palier là parce qu'il pleut. On peut plus rentrer chez nous, on est bloqué. C'est ouf. Allez, on y va. Tout le monde me suit. Bon, désolé Yacine, ça sera pour la prochaine fois. Ouais, là, c'est plus possible. Au moins, on a vu plein d'abonnés, magnifique, on a mangé, magnifique. Mais ce sera pour la prochaine fois, les gens ils sont tous abrités. C'est la merde. C'est la merde à la saucisse. Ma voiture elle était déjà ouverte. Eh hey, tes pieds. Mes pieds, moi je monte devant. Ma voiture je l'ai laissée ouverte. Tu veux quoi Yacine? Mon sac, c'est l'heure de manger s'il te plaît. Ah ok, les gars j'ai laissé ma voiture allumée, ouverte. Personne n'a rien volé. Pas grave, on est en Belgique, je l'ai pas volé. Je viens de là, je l'ai même pas mis une seule fois. C'est un cauchemar. Putain, la route elle va être bouchée, on va rentrer à 23h. Quoi? Qui t'a dit ça? Yacine, quand il y a des bouchons, c'est toujours bouché. Mais enfin, qui t'a dit qu'il y a des bouchons? Hein? La pluie. Non. Parfois. Eh là, j'en reviens pas que j'ai laissé ma voiture ouverte. Même si c'est la fin du monde, faut qu'il mange son repas à 17h. Bon les gars, j'ai pu changer de pull. J'ai un pull et en bas, je suis torse nu. C'est la dernière fois que vous m'organisez des surprises. J'ai une famille de fous. Là, il nous reste à peu près une heure de route, il commence à faire nuit. Moi, je vais vous laisser là, lui, il est en train de tout défoncer. Machallah.